Tonight is Christmas Eve, and the snow should last until morning. The skies are presenting New York City with a white Christmas. The holiday season brings a change of scenery, as office workers are out of their suits and in festive outfits. With the latest... Mommy? What is it, dear? Do you want to go home? Comfortable Christmas. No. There's been a fire on 50 seconds. Casualties are being sent off. 10-4. What's your location? Watch closely. Knowing your enemy will make your job easier. I didn't say easy. I said easier. Sir, my mission? Rally with the National Guards and aid in the destruction of the Big Orb. Yes, sir. Now I know how our father feels in this kind of situation. No soldier has seen the heart of the Babel and come back to tell his tale. Well, you know the basics. Now, let's see how you do. I didn't know you had a daughter. For all you know, I don't. Okay, got it. Back to work. Reprogramming codes, I can do. But you're the only one who can reprogram the past. Do it for all of us. Well, what do you say, Aya? She doesn't need any more pressure. Is that understood? During an overdive, if your soul dies, you can't return to your body. Which means, technically, you die. You need to stay on your toes at all times. So, you're sending a rookie, huh? That's comforting. Everything we know is at stake here. Ever-expanding research budget, overall safety of the planet, every last thing. I can do it. Aya, can you hear me? You're in the past. The overdive device sent your conscience there. The sacrifice incident from Eureka. It's the area where the Babel appeared. In case you're wondering, you're inside a National Guard, Aya, but your body is still inside the CTI building. We're going to get you started. Blank will navigate you. Don't forget that you're in a war zone. Eh bien salut tout le monde, c'est FullGame7, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un tout nouveau Let's Play. Et là, ça annonce du très très lourd. Comme vous le voyez au générique de la cinématique, on est sur le jeu The 3rd Birthday. Et comme vous le voyez, c'est écrit en français. Parce que j'ai pu trouver un émulateur avec le jeu en français, non avec les voix japonaises, donc je m'en excuse. Mais les voix anglaises sont... bon, on s'y fait quoi. Ce jeu est sur PSP. Et c'est dur à croire, hein. Pourtant c'est très très beau comme graphique, graphiquement sur PSP c'est très très beau. Alors, je vais attendre qu'ils finissent de parler. Voilà, donc on contrôle le personnage de Aya Brea, une ancienne policière et également l'ancienne héroïne du jeu Parasite Eve 1 et 2 qui était sorti sur PS1, qui a eu un énorme succès. Et donc The 3rd Birthday n'est pas la suite, mais une histoire parallèle. Il faut pas le prendre comme Parasite Eve 3, ça n'a rien à voir. Donc il y a un an, des créatures ont attaqué la ville de Manhattan. Et donc on est transféré dans le passé, donc là on est un an en arrière. Et on doit détruire les Babel comme ils le disent, ce qui est à l'origine de tout ce désastre. Donc on est sur PSP, je vous le dis clairement, c'est mon bébé d'amour chéri que j'aime de tout mon cœur. C'est un jeu que j'ai kiffé énormément. Il est sorti je crois vers 2013 ou 2012, je sais plus. Donc on commence. Alors le premier épisode sera un tutoriel, donc on vise avec L. Aïe, ça commence bien. On tire avec R. Et bien sûr on a des munitions. On recharge avec carré, on maintient carré pour sélectionner nos armes. Bien sûr, le flingue qu'on a, bah, munitions illimitées au cas où si on a vraiment plus rien en stock. Elle recharge automatiquement quand on n'a plus de munitions et on appuie sur carré pour recharger. Croix pour esquiver, on a droit à 3 esquives. Rond, c'est pour grenade. Start, c'est le menu. Mais ça, je vous expliquerai plus tard. Select c'est quoi? C'est rien. Donc tout ce qu'on doit faire là, c'est d'arrêter les aberrations comme ils les appellent, hein. On connaît tous la traduction magnifique de certaines créatures dans certains jeux. Et donc on est transféré dans le passé. Donc on prend le corps, si vous avez compris, parce qu'il faut savoir que ce jeu, faut vraiment bien comprendre. Car même moi j'ai toujours du mal à comprendre l'histoire tellement elle est chaude. Le jeu n'est pas très long en lui-même. On est transféré dans le passé et on contrôle le corps d'une personne, n'importe lequel. Donc, nous, on nous voit en tant que Aya Brea, mais eux, ceux de l'extérieur, nous voient en tant que le personnage qu'on incarne. Par exemple, là, on incarne, si vous voyez en bas à gauche, on incarne Dave Feature. Ça veut dire que les personnes qu'on va croiser durant l'aventure, donc tout ce qui est soldats, les PNJ, quoi, eux, ils nous voient en tant que soldats. Et nous, on nous voit en tant que Aya Brea, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on contrôle le corps d'un mec. Et le but, justement, de ce jeu, c'est qu'on va devoir... on pourra changer de corps. Voilà, comme il le dit, on peut passer d'un corps à l'autre. Et donc, on se trouve également dans l'Overdive. Donc, le saut astral, si on l'appelle comme ça en français. Moi, je l'appelle l'Overdive, parce que c'est le vrai nom. Voilà. Donc, quand on maintient triangle, on passe en mode saut astral. Donc là, nous avons un mec, on appuie, et voilà. Donc, on est dans un autre corps. Voilà, on change de corps, d'esprit plutôt. Et quand on change de corps, on a également une arme supplémentaire. Donc là, c'est le revolver. Mais je vous expliquerai tout ça en détail. Pour l'instant, c'est que le tutoriel. Donc, en vous approchant d'une barricade, vous pouvez vous placer. C'est un jeu que je voulais faire il y a très longtemps de cela. Et franchement... Ah oui, j'ai oublié de le dire. Ce jeu est édité et développé par Square Enix. Vous l'aurez remarqué, je pense, au niveau des personnages. Et voilà. Donc, moi personnellement, je connais le jeu. Hein, je connais très bien le jeu. Je l'ai terminé plus d'une fois. Et... faut savoir que là je suis en facile. Vous me direz, oh là, il joue en facile, c'est, il sait rien faire, machin chose. Non, 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 non. Ce jeu a une difficulté que vous ne pouvez pas imaginer. A une difficulté cachée. Même en facile, je vous jure que c'est vrai, même en facile, c'est très difficile. En normal, je vous raconte pas la difficulté, et en difficile, c'est quasiment impossible. Voilà. Donc le jeu était à sa difficulté. Et voilà, donc il y aura également dans le cours du let's play une petite surprise, je ne vous dirai pas quoi. Donc là tout le début là c'est qu'un tutoriel, donc on va devoir affronter des vagues d'ennemis. C'est un TPS aussi, donc c'est-à-dire vu à la troisième personne là comme ça. Et c'est un beat démo là en gros. Voilà, tout ce qui est plus simple. Voilà, donc étant donné qu'il y a plein de soldats, eux nous voyons en tant que le personnage qu'on incarne, donc Noël Lamprecht. Si on maintient la visée, on fait une liaison et un tir croisé, c'est-à-dire que tout le monde tire sur le même ennemi. Plus on fait de dégâts à la créature, et plus vous avez vu, il y a un triangle qui est sorti. Ça veut dire qu'on peut faire un saut astral sur la créature. Et ainsi, bah, lui donner un coup critique si vous préférez. Voilà, à couvert, bah, je vais remplir, tir croisé, machin chose. Sachant que le tir croisé, il faut que j'appuie sur R pour tirer. Si je recharge en même temps que je fais une liaison, bah, ça ne pourra pas marcher. Hop! Donc là, il y a le triangle qui apparaît. Et voilà. Donc on gagne de l'XP et des points de compétence. Allez! Donc, pendant tout le long, ça va être des vagues d'ennemis. Bien sûr, je ne vous parle pas beaucoup de l'histoire parce que je préfère vous laisser la surprise. Mais je vous assure qu'à la fin du jeu, je vais pleurer, tellement c'est épique. On va changer de corps, ouais, voilà. Donc, nos alliés perdent de la vie. Et il faudra jouer justement, si on est en danger vraiment mortel et qu'on est sur le point de mourir, on change de corps, ça va plus vite. Et tout va se jouer là-dessus. Donc là, je sais pas trop ce qu'il faut attendre, je pense que... Alors ça change, ce jeu, je l'ai vraiment, mais... je l'ai en anglais parce que le jeu est sorti chez nous en anglais. Et nous en français parce que... Et ce sont dit Square Enix Europe, ouais bon... Oula, excusez-moi pour le petit rame. Ça c'était pas prévu. Ils se sont dit ouais bon c'est un jeu PSP, il y a très peu de gens qui l'achètent, donc ils se sont dit on va pas le traduire, on va le laisser tel qu'il est. Chose qui franchement a énervé beaucoup plus d'un. Mais par chance, grâce à l'émulateur, on a pu trouver une version traduite. Le jeu a été traduit d'ailleurs par un groupe qui s'appelle Mythic Project. Et qui est justement un groupe qui a traduit plein de jeux. Qui sont sortis mais en anglais, donc dont The 3rd Birthday, voilà. Et voilà, donc j'espère que ce let's play vous aura plu. Je tiens à vous annoncer, vous avez vu il n'y a pas longtemps, il y a Final Fantasy VII Crisis Core qui est sorti. Ça sera le tout nouveau let's play, hein, sachant que c'est une vidéo qui a pris un petit peu de temps, comme elle était assez vieille, on va dire ça comme ça. Et donc, à partir de maintenant, quand j'aurai terminé l'épisode, là, les épisodes de Dissidia n'existeront plus, parce que j'ai remarqué que c'était pas très attirant pour certains. Et puis à force, c'est tout le temps répétitif, donc autant passer à autre chose. Là, je vous fais quand même deux gros jeux, donc The 3rd Birthday et Crisis Core Final Fantasy VII, qui sont deux monstres mythiques de la PSP. On peut pas passer à côté. On monte également en niveau dans le jeu, et plus on monte de niveau, plus on augmente nos compétences, donc c'est-à-dire l'attaque, la défense, l'agilité. Et donc nos armes augmentent de niveau aussi. Plus on les utilise, plus ils montent de niveau. Sachant que moi dans ce jeu je suis très flingue, j'adore les flingues moi, donc j'y jouerai plusieurs fois. Liberation eradicates anything withholding your powers while greatly improving your reflexes. But there's a huge risk involved. It drains your energy. So if you're attacked when it's over, you won't have the strength to. You can do this. Voilà, donc la libération, ça sera notre mode éveil si vous préférez. Elle se, vous voyez une jauge rouge juste en dessous de notre barre de vie, bah, c'est ça la jauge de libération. Donc, on va en faire un petit tuto justement de cette jauge de libération. Voilà, donc il y a des petits messages qui s'affichent. Donc, on va attendre que tout le monde sorte tranquille. Donc c'est parti, mode libération. Donc on est plus rapide, on est très puissant. Et lorsque l'ennemi nous touche, lorsque l'ennemi nous touche, aïe, voilà, lorsque l'ennemi nous touche, Aya esquive, mais le problème c'est qu'elle en perd de la vie. Et elle est également très rapide. Si je devais vous montrer à quoi ressemble sa vitesse, voilà comment elle se déplace. Voilà. Donc là, exceptionnellement, on peut utiliser notre jauge de libération à volonté, parce que c'est un tuto, donc... Voilà. Bien. Roger that. This data we got is awesome. Good work, Aya. Et voilà, donc on a terminé le tutoriel. Et donc on va s'arrêter là. C'est vraiment un tout petit épisode cette fois-ci. Donc. Donc voilà, donc ce fut une introduction un peu rapide, je m'en excuse, mais bon, c'est vraiment parce que le tutoriel fait partie de l'histoire. Donc je vous fais un petit récapitulatif. Le jeu est assez complexe au niveau de son histoire. Au bout d'un moment vous serez perdu, mais il faut vraiment bien suivre. Même moi j'ai encore du mal à suivre, mais je sais très bien que l'histoire est excellente. Parmi le jeu, je vais vous faire une petite surprise, je ne vous dis pas laquelle. Mais sachant que cette surprise, pour la voir et pour la regarder, parce que c'est une vidéo en fait du jeu, le jeu faut le terminer plus de 50 fois. Et je ne rigole pas, hein, 50 fois il faut terminer le jeu pour avoir la scène à volonté. Le jeu détient également des tenues, mais ça, et les tenues on les débloque en fonction des difficultés qu'elles on joue. Sachant qu'à la fin du jeu, il y a une scène secrète. Il y a une scène secrète, et donc je ne vous dirai pas ce que c'est cette scène secrète. Peut-être que la scène secrète, comment dire, je vais peut-être refaire le jeu en rapide pour vous montrer cette scène secrète. Je sais pas, je vais voir. Donc la scène secrète, c'est vraiment un petit côté bizarre un peu. Petit point, quelque chose à vous dire aussi. Aya Brea est un personnage, une héroïne de Final Fantasy, n'importe quoi. De Parasite Eve, un peu oubliée de temps en temps. Moi personnellement c'est une de mes personnages que j'affectionne particulièrement de chez Square Enix, déjà parce qu'elle est très belle, elle est très bien foutue. Et puis c'est un jeu qui a beaucoup de fanservice parce que quand on déplace le personnage quand même, on voit très nettement son cul. Je pense que pour certains ça doit faire bander les gens. Non je déconne. Sachant que quand on prend des dégâts dans le jeu, nos vêtements sont déchirés. Mais vous verrez ça au fur et à mesure de l'aventure. Voilà. Donc ce fut l'épisode 0, le prologue. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, ça me fera très plaisir. Et sur ce, bah écoutez, on a eu un A. On peut faire suivant au sauvegarder. Je vais sauvegarder devant vous. Donc j'avais déjà commencé une petite partie comme ça pour des tests de capture. Donc, entrée. Voilà. Et sauvegarde terminée. Voilà, donc j'espère que cet épisode 0 de The 3rd Birthday vous aura plu. Dans l'épisode prochain, il y aura le générique du let's play. Parce que vous savez que j'aime bien faire des génériques pour chaque let's play. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, ça me fera très plaisir. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos. Les Tomb Raider, je m'en excuse, mais ça attendra un peu. Parce que je suis obligé malheureusement de tout refaire, je vous l'ai déjà expliqué. L'épisode Spider-Man 3 et 4 vont bientôt sortir. Bah, je pense qu'ils sont déjà sortis, je vais voir en fonction de qu'est-ce que je upload en premier ou pas. Voilà. Donc, je vous dis salut tout le monde, à la prochaine, et portez-vous bien. Salut.